Allô? Y a-t-il des gens? Et tu vois le gros con qui attend. Bon, c'est pas grave. S'il y a des gens, tant mieux. S'il n'y en a pas, tant pis. Deuxième session de Brothers, A Tale of Two Sons. Peut-être la dernière. On espère. Alors, on a tout de suite repéré le chemin. Il faut monter sur les livres, monter sur le lit, éteindre la chandelle. Non? Non, tu peux pas éteindre la chandelle? Faire la tenir? Je comprends. Pas du tout, rien à voir. Remonte-toi, merci. Alpin! Alors, c'était bien Cuphead? T'es bien mort? Attends. Attends, mais voilà. Putain, mais en fait, cette chose là-bas, je l'ai trouvée petite, mais bordel. En fait, elle va être hyper grande pour notre taille. Ça va être génial. Salut? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ok. C'est une mission pour pour Minimoise. Minimoise tête blonde. Oh, Mélissa! Ah, d'accord, donc je me suis totalement foiré. D'accord! À quel moment? Mais what? Non, mais. On est d'accord que c'est là-bas qu'il faut aller, hein? Bah voilà, bah alors. N'importe quoi! Le truc qu'il voulait pas! Pour ce temps-là, t'as le grand frère en bas qui se fait chier comme un rat mort, en mode ouais, super, super. Fais le boulot. Ouais, d'accord. Allez! Hop! Et hop! Oh putain, t'es sérieux, gros? Allez, pousse! Salut! Elle est blessée? Attends, quoi? Salut? Ça va? C'est que cette chose? Léla. On baise? Pas du tout. Rien à voir. Ouais, super, super, génial. Ouais, je me casse, ça m'a saoulé. Bon, toi? Bah oui, forcément, c'est le grand frère qui lui parle, donc forcément, voilà. Forcément, ça fait avancer l'histoire. Elle est blessée comme tout, ils vont pas lui monter dessus. Mais non! Bah d'accord, bah elle a pas l'air si blessée que ça en fin de compte, hein. Bah tant mieux. Attends, on va devoir contrôler ça ou... Non, d'accord, j'ai eu peur. Je me suis dit, est-ce que je peux me reposer ou pas? Mais apparemment, ouais, du coup, c'est cool. Oui, bah oui, il fallait s'en douter, sa bande de cons. Oh non, elle est morte! Oh! Je pensais vraiment pas qu'en lui montant dessus, alors qu'elle était vachement, vachement affaiblie, ça allait la faire crever! Vous vous foutez de la gueule de qui, sans déconner? Non mais... Sans rire, ou... Tu veux pas faire du Cuphead, après? Non mais je vais finir par acheter ce jeu, c'est pas possible. Parce que là, il y a tellement de personnes qui me font des réclamations, Cuphead, 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 que je vais finir par en faire, quoi. C'est mon plus grand malheur. Écoutez, on verra ça la semaine prochaine, peut-être. Peut-être. Et encore, je suis pas sûr. Voilà. Et ce soir, non, tu joues un petit peu de Rocket League. Bon, la fête crever, c'est pas grave, hein. Pourquoi il ramasse la plume? Il veut faire quoi avec ça? Pourquoi pas, si tu veux, hein. Quoi? Mais ramasse cette plume là, voilà. Je sais pas ce qu'il veut en faire. J'ai trouvé un crack, je te donne le lien si tu veux. Non, mais t'inquiète, je vais me débrouiller. Mais bravo le bon exemple du crack, hein. Même si tes jeux sont crack en soi, faut pas le dire.
Ah là j'ai plus la plume, je viens de me faire foutre. Très bien. Je viens littéralement d'aller me faire foutre. Genre vraiment. Ouais bah c'est bon j'arrive. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Mais on est dans le monde des géants. Non, c'est eux qui sont géants. Parce que le monde, là, a priori, pour nous, il a pas l'air géant. Donc c'est eux, les géants. C'est eux qui ont rien à foutre ici, là. C'est gore! Mais c'est... Ah, c'est quoi? Putain, à la base, on va juste chercher un truc pour soigner notre père, hein. Je dis ça, je dis rien. Ah non, c'est gore là par contre. C'est chelou. Ça va, c'est que du sang les mecs. Hein, Dixit, le mec qui a dit que c'était gore il y a quelques secondes de ça. C'est bon, j'arrive, j'arrive, j'arrive. Ça va, ouais. On a compris que tu savais pas nager, hein. Ça c'est sûr. Voilà, tu vois, on est bon. Il y a des vautours. Des vautours, ça, on est d'accord. Qu'est-ce que... Non, d'accord, j'ai cru que c'était un autre vautour en train de dévorer je sais pas quoi. Ah oui, non mais d'accord, faut... ok. Excusez-moi. Bah ouais, je veux bien, mais... Non mais d'accord. Mais... Non mais putain, mais... Ah, faut d'abord monter là... Quoi? Mais what? Attends. Excuse-moi, hein. Mais non mais d'accord, mais pas moyen de... Mais j'étais en mode, on va lui faire la courte échelle et tout, mais pas du tout. Alors là... Oui, d'accord. Alors, à moins que la courte échelle, ça soit ici qu'il faille la faire. D'accord, c'était là, je comprends mieux. Ok. Là. Ça se passe comment, là? D'accord, c'est pas par là, ça doit être un truc du genre... Non mais... D'accord, donc j'ai pas le droit d'aller par là. Bon, je reviens, le miam miam m'appelle, à toute. Ok. À tout à l'heure. À 21h, vous bouffez les mecs, sérieux? Bah attends, on va le rejoindre au lieu de dire de la merde là. Voilà, nickel. Hop! Et on y reva. Compliqué ce soir. Alors, du coup, là, il y a... Rien. Moi, c'est clair, hein. Ah, peut-être en bas, à la rigueur, non? Non, encore moins. Je viens de comprendre. Je crois. D'accord! Nice! Attends, non, non, remonte, toi. Voilà, nickel. Et l'autre? Du coup, il va venir là-bas. Le pauvre. C'est chier, quand même, hein. S'en bat les steaks. Allez, roule. Attends, y'a quoi là? Y'a rien. Encore du sang, génial, youpi aura. Mais ça va, gros. Tu vas pas te noyer là. Attends, attends, attends. Attends. Voilà. J'ai du mal à coordonner les joystick, hein. Je sais pas si ça se ressent réellement. D'accord. On va peut-être aller là, hein. À certains moments, ça va, comme par exemple ici. Mais sinon, quand les deux sont dans une direction opposée... Qu'est-ce qu'ils font en bas? Ils font du sang? C'est chelou. D'accord, c'est par là. On a vu la petite plateforme. Impeccable. Ouais, d'accord. On connaît la mécanique de la flèche. C'est bon, casse-toi. Ah!
Ah oui, non, mais ça fait quelque chose, mais que c'est que c'est hyper lent, d'accord. Ok. Alors, par contre, le sang, oui. Mais pas ce genre de sang, quoi. Bah oui, ça pue, forcément, gamin. C'est par là. Très bien. Alors, je sais pas du tout si on va rencontrer les mecs d'en bas. Là, je pense qu'ils vont nous faire une vue plus en détail de ça. Ouais, non, on avait bien vu, bien vu assez tout à l'heure, en fait. Allez, s'il te plaît. Putain. Oh, ça galère, ça galère. Voilà. Messieurs, bonjour. Bah oui, forcément. Et si je t'aide? D'accord, ok, superbe. Eh ben écoutez, on va passer par là. Tout simplement, puis après je sais pas comment on va se débrouiller. D'accord, en fast. Ok, vous sentez qu'il y a un truc à faire avec la mallette là, hein, forcément. Excuse-moi. Non mais... Putain, faut passer par de l'autre côté. Après faudra descendre par ici, et d'accord, ok. Je comprends, je commence à comprendre. Je crois commencer à comprendre, précisément. Casse-toi, le corbeau là. C'est pas du tout un corbeau, c'est un vautour. Putain, n'importe quoi. Bon, attends. Hop. Là. Alors, ça risque de faire un petit peu mal. Ah, oui, forcément. Les mecs le vivent bien. Il découpe une jambe, y a un problème, mais par contre, il fout une flèche à un gars, là tout va bien. Qu'est-ce que c'est que ça? L'appel des géants. Succès déverrouillé. Bon, je sais pas ce que ça va faire, on verra bien par la suite. Hein. Ça se trouve, ça a ramené du monde, tu sais. Alors du coup, monsieur flèche dans la tête, là. Excusez-moi. Voilà, nickel. On y arrive. Doucement, mais sûrement. Par contre, là, je commence à vraiment crever de chaud. Donc, hop. Tranquillement, on se dessape. Striptease, toi-même, tu sais. Et on peut y aller. Voilà, merci. Je sens que ça va être très chelou ce qui va se passer avec les autres là. Ceux qui font l'espèce de rituel du sang de je sais pas trop quoi. Ok. Attends, mais c'est vraiment du sang ou c'est du vin? Non, ça a plus l'air d'être du sang qu'autre chose. Mais les mecs passent dessous sans problème. Non, ça c'est d'accord, c'est juste la falaise qui s'est écroulée. Ah! D'accord, et là, du coup, il va y avoir les traces de pas en mode... Ok. Là-dedans. D'accord, personne. Ah oui, du coup là, il y a la flotte, donc on va être nettoyé. Ok, d'accord. Attends, mais on va aller voir les autres, là? Ils sont suicidaires, ces gosses. What? Je l'avais pas vu celle-là, moi. Ok. Ok, donc le mec nous voit pas là, on est devant lui, carrément.
On survole la structure, mais non, il n'y a personne qui nous voit. Eh bah ok, pourquoi pas. C'est pas par là. C'est pas non plus par là. C'est ici. Si c'est pas à gauche ni en face, bah c'est derrière, hein. Ou ça peut être à droite. Bon, quand tu viens de cette fameuse droite, non. Oh ouais. Je sens que ça, ça va nous être très très utile. Messieurs dames, bonjour. Rien à voir. Attends, quoi? Ah non mais voilà, faut d'abord être rouge. Excuse-moi. Voilà, hop. Et maintenant. Attends. Attends. Bonjour. C'est moi. Ça va? Cassez-vous. Cassez-vous tous. Alors, fils de pute! Casse-toi. Casse-toi de là. Hein, quoi, allô? Oh merde. Ah! Mais attends, je vais prendre une douche, moi. Coucou, Miss. Miss! C'est quoi cette histoire de Savoie, là? C'est quoi cette histoire de Savoie? J'ai posé la question sur le Discord, mais personne m'a répondu. À ce qui paraît, vous partez en Savoie la semaine prochaine? J'ai pas tout compris. Re, mon chieur. Oh, mais ça va, là. C'est vous, les chieurs, à partir en Savoie, là. J'ai pas compris parce que Ours m'a dit un truc, enfin pied de porc. Mais je sais pas si je dois le croire ou pas. Du 2 au 6, mon chieur. Mais Ours? Ours? Il est pas là, hein. Il est absolument pas là. Mais. Alors, je sais pas s'il y a des gens sur le chat qui sont. Qui étaient là et qui ont été témoins de la scène. Mais qu'on soit très clairement d'accord. La semaine prochaine. Mon cher Ours, je sais que t'es pas là. On est le 26, on n'est pas le 2. Je t'en veux pas. Moi, il me disait... En fait, comment te dire, qu'il me disait que ouais, on va partir en Savoie quand tu vas arriver, quand tu vas venir. J'étais en mode, non, tu déconnes. Oh bah du coup, c'est bon, en fait, tout va bien. J'ai eu une fausse frayeur. Ah bah ça va alors. Oula, oula. Par contre, je sais pas conduire ça. Donc, nique ta mère. Ah! Attends! Voilà, j'ai compris. Non, mais laisse, il a rien capté, Titou. Mais d'accord. Attends, c'est où? Faut aller là? Pas du tout. Faut aller là-bas. À part s'ils ont changé les plans, mais ça m'étonne, j'aurais été un peu venu. Non, mais voilà, c'est ça aussi. C'est ça le truc, comme j'ai dit à pied de port, justement. C'est que si justement vous alliez en Savoie quand je venais, vous m'auriez prévenu quoi. Par contre, faut aller où là? Faut aller là? Faut aller de l'autre côté, faut aller de l'autre côté, hein, c'est ça. Ouais, par contre. Voilà, nickel. Hop, on va faire ça comme ça. Ma bain de sang, ouais, encore, t'as pas vu. Ah, faut aller là? Ah! Encore, t'as pas vu le meilleur. Parce que ça, c'est le pire. C'est pas le pire, pardon. Succès déverrouillé au-delà du voile. Ah, et c'était juste pour un succès. Comment ça? Bah, comment te dire qu'on a été obligé de faire une espèce de statue avec les deux frères pour sauver celle qu'on a dans le radeau actuellement. Voilà, parce que sinon elle allait être prise en sacrifice par des espèces de trucs. Je sais même pas comment ça s'appelle cette tribu là. J'en sais absolument pas.
J'en sais absolument rien, pardon. Du coup, voilà, mais ça devient chelou depuis quelque temps, là, hein. Je dis ça, je dis rien. Ouais, j'ai vu ça quand je suis arrivé. Ah, bon, bah, voilà. Qu'est-ce que... Mais regarde-moi ce truc dans la flotte, là. Non, mais... C'est de plus en plus chelou. C'est un espèce d'orque chelou. Va falloir éviter. Oula, gros poisson, ça. Bah ouais, pas qu'un peu. À tous les coups, va falloir l'éviter ou je sais pas trop comment, là. Oula, 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 oula. D'accord, très bien. Lol, un orque poisson. C'est ça. Excusez-moi, je peux ramer jusque... Jusqu'à là-bas. Non. Putain. Allez, faut se presser maintenant les mecs, hein. Voilà, merci. Parce que j'ai pas trop envie de me faire dévorer tout cru. Tu vois ce que je veux dire. Voilà, ça va qu'il était un petit peu loin. J'aimerais tourner. Oh putain, c'est immaniable ce bateau. C'est un truc de malade. Fais gaffe à ton cul là. C'est chaud patate. Ah ouais, non mais grave. Et j'aimerais pas crever en fait comme une merde. Elle commence, elle commence. Voilà, allez hop. Je me casse. Ouah, approximativement là. Allez. C'est immaniable. Je galère de ouf, c'est horrible. Ça se voit, hein, ouais. GG, ouais, ça va. Il y avait juste à s'arrêter comme il fallait au bon moment. Bon, faut aller jusqu'où avec ce bateau à la con, là. Et là, il est heureux de l'autre côté. Oh, j'espère pas. Oh, j'espère vraiment pas. Faut s'arrêter où avec cette merde, là? T'es sérieux? Non. Voilà, nickel. Eh ben, t'avais raison, il est heureux de l'autre côté. Putain, mais c'est pas... Voilà. Non. Oh, putain. Allez, roule. Voilà, nickel. Mais non, mais t'abuses, casse-toi. Il y en a deux. Mais t'es sérieux? Ah bah sûrement à côté. Au bout de... Ah oui, là-bas en face. Non. Laissez-moi en paix. Et mais du coup, j'ai un temps où je peux pas me déplacer, c'est vachement chiant. Nique ta mère. Putain, mais ça me fait reculer à chaque fois, c'est relou, cassez-vous. Casse-toi, t'es mort. Casse-toi, t'es mort. Voilà, nickel. Ah, et du coup, ça me pousse. Oh là là. Ouais, c'était ça, à côté des eaux, des espèces d'eau de baleine. Attends, 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 attends. Allez, là. Oh là là, oh là 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 là, c'est immonde. Oh, le passage que je déteste le plus dans le jeu, c'est celui-là. À l'unanimité. Mais allez! Non mais c'est bon, là, tu peux pas faire plus. Voilà, merci. Waouh. Ça m'a presque donné mal à la tête, le truc. Bon, nickel. Alors, soit on va finir le jeu en 20 minutes, soit il y a encore 2 chapitres après. Dans tous les cas... Oula, oula, oula. Oula, mais quoi? Non mais attends gros, ah d'accord, forcément. Dans tous les cas, va peut-être y avoir une troisième partie du coup de jeu. Voilà, merci. Le truc était complètement bugué. Et du coup, pendant une semaine, je vous aurais pu sur le stream, moi? Vidéo 6? C'est malheureux. Glisse, Masti. Non mais c'est ça, ouais. Masti la glisse, même d'ailleurs. Pas du tout. T'es trop mouillé. Ignoble. Qu'est-ce que c'est que ces bêtes? Une tortue avec la carapace totalement gelée. J'adore comment la meuf est en mode « Oh, je touche la glace comme si elle m'appartenait. » Tu sais, c'est la reine des neiges. Et Master Reed. Pas du tout. Allez. Rapa? Non, moi c'est Masti. Bon, faut monter là-haut. Ouais, d'accord, super. Non mais... Oh putain. À chacun son pic de glace, les mecs. Ok. Ok.
Nickel. La meuf est montée en 2-2. Tout va bien. Allez, roule. Libéré, délivré. Je ne la montrerai plus jamais. Sauf dans certains cas. Kaya? On n'en dira pas plus. Quoi? Otai. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'elle dit? Va leur couper l'arbre? Il y a une hache quelque part, c'est ça? Ouais, c'est ça. Kaya? Gagné, exact. Allez! Ça c'est simple à comprendre. À peu près. Faut le tailler l'arbre ou. Est-ce que ça fait à quelconque effet là? Attends. Ouais, à quelque chose près, ça le coupe. Ok, ouais, ça fait son effet, nickel. Alors ça ne sert à rien, ça servait juste à reprendre la scie. Hein. Les mecs sont morts gelés. Faut savoir, tu me dis que le sport c'est pas pour toi, alors comment tu l'as monté? Comment tu la montes? Ah! Non mais c'est pareil, c'est le sport de chambre. Le sexe, vois-tu? Non? Ouais. Mais arrête de faire des grands gestes là, c'est bon, j'ai compris ce qu'il fallait faire. Fais ci, fais ça. Sinon j'ai fini depuis longtemps en fait. Donc on va se calmer, voilà, nickel. J'ai failli être écrasé, truc de ouf. On aurait dit un chien, on aurait dit une chienne. Chienne, montée, sport de chambre, levrette. Alors j'avais raison, les sports favoris, sport de chambre et sieste. Ouais, non mais oui. Non mais en fait, moi, pour une fois, j'avais pas l'esprit mal placé, mais en sport de chambre, je pensais que tu parlais de genre de vélo d'appartement et tous ces trucs de merde. Genre muscu, etc. Je pensais pas du tout au sexe, pour le coup, j'ai envie de te dire. Un peu con, hein. Là, attends, oui. Elle va faire le lapin bientôt. Ça existe comme position, ça, le lapin? Elle va manger ta carotte? J'ai pas compris. Wow. Alors, je crois qu'ils attaquaient un truc, mais je sais pas quoi. Moi, je vais aller dans le sens où il faut pas aller. Ah non, mon chien, je pense au sexe sur le coup. Je pensais au... Ah oui, bah oui, mais pas moi, pour le coup. Pour le coup, pas moi. Il y a un truc à faire avec ça? Ouais. D'accord, très bien. Ah d'accord, donc ok. YOLO. Tout va bien. Attends, va falloir la... Attends, ça c'est pas pour toi. Je te montrerai comment on fait le lapin samedi. Quoi? Ah c'est le putain! Ah, c'est Joy qui a mis ça, d'accord, j'ai cru que c'était Miss, je me suis dit aussi, oh là, what the fuck, c'est sérieux tout ça, là? Pour une fois, pas toi qui a pensé, ouais, pour une fois, c'est sûr. Sinon, ah, mais d'accord, mais moi, je vais devoir monter aussi, d'accord. YOLO! D'accord. Salut Joy, comment ça va? Bien passé la journée et tout, pas trop crevé, c'était pas trop chiant. Bah non, on est mercredi, ah non, on est jeudi, c'est hier après-midi que tu bossais pas, autant pour moi. Elle passe, c'est où la cruche? Elle est à côté de moi, très bien. Sinon, bonjour, mais oui, bonjour Joy. Enfin, bonsoir plutôt à cette heure-là. D'accord, c'est quoi, c'est un gros Yeti des glaces là? Il est invisible, what the fuck? C'est logique. C'est comme les gros taurennes, les grosses vaches dans WoW qui sont voleurs. Non. Ça marche pas comme ça en fait. Le truc est pas discret de base, donc laisse tomber. Qu'est-ce qu'il me dit? Ah, il va falloir que je monte là-bas. Ouais, d'accord, pas de soucis. Allez hop, go. Et l'autre, elle reste là, l'autre cruche là? Peut-être. Non, tranquille la journée. Oh bah ça va alors. Ça va, puis... Ah oui, mais demain, en plus, c'est vendredi, tu finis à 15h, c'est ça? C'est encore plus tranquille. Ah d'accord, en fait, elle a attendu qu'on... Mais c'est qui, cette femme? Mais elle est sérieuse? Non mais...
Entre les orques poissons, la tortue de glace et le yeti invisible. Ah oui, non mais là, cette session, c'est n'importe quoi. Hein. C'est n'importe quoi. What? Ah, il s'est cassé, très bien. Ok. Alors, je dois avouer, ouais, c'est chelou. Mais pour le coup, les... Quoi? Qu'est-ce que tu veux? D'accord. Pour le coup, les mécaniques de gameplay sont cool. Non, mais monte. Voilà, nickel. Hop là, voilà. Mais la meuf, elle est... C'est Superwoman, quoi. Superwoman qui veut pas s'accepter. Et j'ai envie de vous dire, pour le coup, pour une fois... Enfin, pour une fois. C'est rare dans les jeux vidéo. Donc on va utiliser le terme quand même pour une fois. Non, ta maman. Pour une fois que c'est les femmes qui sont les... D'accord. Qui sont une des protagonistes, l'un des protagonistes secondaires les plus forts. J'ai envie de vous dire, c'est pas mal. Je te jure, MDR, la nana surhumaine, elle fait tous les animaux, bientôt elle va voler. Non mais c'est ça. C'est exactement ça. Enfin, j'ai envie de vous dire, sur une pauvre rivière, voilà, on est obligé de galérer à deux avec un bateau à la con. Donc bon, bof quoi. Très bien! Ah, et chacun d'un côté, forcément. Sinon, c'est absolument pas drôle. Je vais galérer ma mère! Ça va être ouf! Là, bien sûr, le pont va s'effondrer juste là! Voilà! Gagné! Prévisible! Ah merde! Cours, Basti, cours! Non, mais c'est bon, Lara Croft, Uncharted, Hellblade, Horizon, il y a plein de jeux avec des femmes. Oui! Mais voilà! Uncharted, ouais, le dernier qui est ça. What the fuck? Mais en plus, c'est une ado comme lui! Et on n'est pas capable de faire la moitié de ce qu'elle fait? What? Horizon, après, c'est pas faux. Du coup, on était où? Ah oui, Uncharted. Ouais, le dernier qui est sorti, là. Lost... je sais même plus comment il s'appelle. Parce que sinon, le 1, le 2, le 3, le 4, n'attendrait que Powa, quoi. Après, oui. Lara Croft, Uncharted, Hellblade, Horizon, oui. Mais c'est une protagoniste, c'est la protagoniste, pardon, principale. Pas secondaire. Là, je veux dire, la meuf, là, on va pas la... On va pas la contrôler, enfin, je pense pas. Une couille dans le pâté, là, non? Regarde... Regardez-moi ses mains et ses doigts. La meuf, elle est comme ça en mode je vais vous manger. Tout va bien. Putain, mais quand t'es discrète, t'es pas comme ça, quoi. Je sais pas. Il va la ken. Alors, je pense que c'est plutôt elle qui va nous ken. Je pense vraiment. Regardez-moi ça, on dirait une vraie sorcière. Ok. Qu'est-ce que je disais? Voilà, prévisible! C'était pas possible d'être humain comme ça. Voilà, voilà.
Et là, à la fin de l'histoire, en fait, c'est elle, le monstre, et les autres cherchés qui a t'aidé à stopper le massacre. Non, mais c'est ça. C'est exactement ça. The Last of Us, ouais. Walking Dead, ouais. Metal Gear Solid 5, ouais aussi. Resident Evil, alors, si tu préfères, ouais. Non, mais ok. Alors, ok, mais si on se balance comme ça, il va se passer quoi après? D'accord, très bien. Salut! Ah! Dégage ta mère! Quoi? Ah! Mais je fais ça comment, moi? Mais... What? Attends, excuse-moi. Voilà, merci. Allez, salut. Non, c'est dégueulasse, là, par contre. Ah, c'est un... C'est un boss. D'accord, c'est un espèce de boss à la con. Attendez, faut que je prenne de l'élan. Nickel. J'arrache quelle patte là? J'arrache celle-là. Quand je vous dis que ça devient bizarre, Igor. Va dans le trou, comment je t'ai tué là? Mais c'est tellement ça. Allez, vas-y, attrape-moi, si tu peux. Attention les porcs! Ça dégage. Ah, en fait, faut prendre la patte qui est. D'accord. Ok. Et une patte, une, il est con. Hey les gens, comment ça va? Yo Coca! Bah, ça va très bien et toi? Dégage ta mère! Alors, on est moche! Donc voilà, donc les enfants, toujours tirer ceux qui bandent de la sorte. Voilà! Vous avez compris? Voilà, maintenant tirez le sgag de votre papa quand il fait l'amour à maman. Pas du tout. Ignoble. Coucou chat, moi j'arrache les pattes du même côté, comme ça elle marche plus au bout de 3. C'est pas faux. Là, elle marche encore, hein, je suis désolé, mais bon. Hop, ça dégage. Voilà. Moi ça va extrêmement bien, bah comme d'habitude, hein, c'est ça. Oh la pute. Oh! Attends, il va se passer quoi là? La saloperie. Ouais. Il va mourir, c'est sûr. Non mais ferme-la! Spoil pas! C'est la fin, j'en sais absolument rien. Ça m'étonnerait, ça serait débile que ça soit la fin. On va voir. Bon, on va essayer d'aller le plus loin possible avant de faire la pause, c'est-à-dire dans une minute, lol. Oh non, tu sais, il faut que tu revoies ton calendrier. Ah oui, parce que mec, comment te dire que... D'accord, très bien. Comment te dire que la semaine prochaine, c'est le 26. C'est pas le 2. Or, vous partez en Savoie le 2. Pas le 26. Hein? Hein, Renan? Waouh! OMG, même mon cheur il a retenu. Ouais, vous partez du 2 au 6. Il a survécu, il a beaucoup de points de suture. De suture? De suture? Non, de suture. Ok, bon! Les gens. Petite question. Petite question, petite question. Attendez, parce que je sais pas si c'est la fin là en fait ou pas. Parce que si je suis à la fin. Renan! Renan, re-Alp, Alpex, j'allais t'appeler, Alpin, Renan, vite fait,
Ours aveugle, pied de porc, quoi tu veux, ce que tu veux. Ou Joycite, vu que vous avez fait le jeu en entier, il me semble, c'est ça, non? Est-ce que vous savez si c'est bientôt la fin ou pas? Ou est-ce que je peux potentiellement me permettre de faire une pause? Une autre session de gameplay après? Parce que là, normalement, je devrais faire la pause, en fait. Bon, attendez. Vous savez quoi? Ça a l'air d'être la fin, potentiellement. On va pas lancer une pause pour si peu. C'est pas grave, ça sera un petit peu plus long. Je me débrouillerai au montage. Voilà. Le petit est en train de crever, là. C'est un peu moche, quand même, hein, comme fin. S'il crève, c'est un peu moche. Allez, go. Là, oui, t'es vers la fin. Il est en PLS, c'est tellement ça. Ouais, donc c'est pas à peine que je fasse une pause. Là, je veux dire, j'en ai quoi pour 5 minutes? 10 minutes grand maximum, non, je pense. Tu pourras me mettre modo ou pas? Quoi, sur YouTube? Bah, pour l'instant, j'ai pas forcément besoin de modo, quoi. Pour l'instant, j'ai pas forcément besoin de modo, quoi, donc... Non, t'en as pour 20-30 minutes. Ah ouais? Mais pour 20-30 minutes, là? Attends, j'aimerais avancer, s'il te plaît. Ah, mais d'accord, fallait monter en haut. Ah! Là, elle fait une pause, alors. Ah oui, très clairement. Je vais me rendre ici, puis je vais faire une pause. Voilà. Allez! Chut, tais-toi. Ouais, mais par contre, j'ai une question. Est-ce que vous voulez qu'on reparte pour une autre session de gameplay où on finit la semaine prochaine et là, on va sur du Rocket League? Non, on va finir tout de suite, ça sera fait. Ouais, t'as de la cinématique après aussi. Ah ouais, bah écoutez... On va finir ça dans ce live. Hein, puis après, durant les minutes qui restent, on fera peut-être du Rocket League, voilà. On verra. Quand je dis on, je parle de moi-même, enfin de nous, hein. Voilà, bonjour, c'est moi. Je m'appelle Masti, personne même. Ça part en couille. Bon, allez, la pause, vite fait, bien fait. Pour le fait que tu sois modo, Milissa, sur YouTube, on verra. Parce que pour l'instant, j'en ai pas forcément besoin, mais on en reparlera sûrement. Bref, petite pause de 5 minutes. Et à tout de suite.